enculé! Où sont les Dragon Lore? Où sont les skins que tu caches? C'est sûr et certain, un jour je vais avoir un problème. Go 3B, go 3B. If they go con, it's okay. Yellow, come back, please. Mid, all mid. Pardon. Dead me, hey, on mon but. I baited for you, Yellow. You have kills. Headshot, 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 headshot. Oh, I cannot play. Middle. Two A, two last A. Two last A. Go T spawn, orange. Go T spawn. Go T spawn to them. Don't die, bro. I'm on HP. Maybe go back? No, 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 no. Can't. Combo rouge incroyable. La vie de ma mère, que ce combo, il est fou, frère. Je l'ai gagné par hasard, hein, le combo, les gars. Mais la vie de ma mère, qu'il est incroyable. Regardez comment il est incroyable. Regardez comment il est incroyable. Il est incroyable. Guys, why you push? You have M4, yellow, you have M4. M4 on the ground. Brother, you have M4. You have fucking M4. Jesus Christ, il joue Deagle le con. Mais avec qui je joue? Si lui, il se rendait compte de pourquoi on regardait le palace, que j'avais envie de goumer mon pote. I'm coming, Pete, I'm coming. Just don't die, girl. Just hide inside. Let them plant. I'm coming. Fumer. Default, default, default. Triple, 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 triple. He has to take the bomb and he has to plant it. Sneak on him, sneak on him. Sneak, 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 sneak. Don't move. Good job, you're insane, brother. Kalashnikov. Personne parle dans cette équipe de chiens là. 3, 2, 1. Oi, oi, oi. Jungle, 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 jungle. Ah, regardez frérot, la meuf elle est pas incroyable. Mon agent là, quand les gens ils me voient frère, ils sont pas terrifiés frère. Les petits cordons rouges pour aller avec les gants rouges. Oh là là. Oh non, middle. Il a mis une grenade pour masquer son saut, ce con. Il a cru que j'étais aussi con que ça. Out A. Out A, out A. A side. A side, this city spawn, city spawn. One city spawn. We need to push mid. Écoutez-moi bien. Un mec. Je crois qu'il est caché en A. Ah, il est, c'est lui. Dans la window, miskin. J'ai vu des vidéos opening, tu te mets Gucci. Frérot, c'est ça le problème, vous regardez des vidéos et après vous dites oh je suis millionnaire. Oh putain, faut que je vous parle d'un truc. Attendez, le prochain temps mort, faites-moi un rappel que je dois vous parler d'un truc à propos des skins. Attends, les gars, c'est trop grave, c'est trop grave. Là c'est trop grave. C'est trop trop grave, je vous jure c'est trop grave. Vous allez voir la France comment ça va mal dans ce pays frère. Give me up, I'm low. Tournez, tournez. Regarde Palace. Écoutez-moi bien les gars. Écoutez-moi bien, faut que je vous raconte cette histoire. Elle est incroyable.
Ok, écoutez. Vous avez vu, je mets des clips un peu sur Twitter et tout. Genre quand je chope un skin à 300 balles. Vous voyez ou pas? Vous l'avez déjà vu ça un peu sur Twitter passer? Ou genre, tu sais, j'ai upgrade un skin à 400. Vous l'avez vu ça? Ben, Asgard, il en a mis un sur TikTok. D'accord? Il en a mis un sur TikTok. Il y a un mec dans les commentaires TikTok. Il a dit: ce fils de pute de Malek, il se met trop bien avec les skins. Il a au moins 100 000 euros d'inventaire. Il a mis 100 000. Si j'avais 100 000 euros d'inventaire, je serais à Cancun avec des putes, je me ferais sucer tous les jours. Voilà. 100 000, il a dit, frère. Mon inventaire, il est public. On peut aller checker mon inventaire. Il y a 12 000 euros dessus, frère. Il a dit 100 000. Hey, TikTok, c'est des malades. La vie de ma mère, TikTok, c'est des ouf. Regardez TikTok, c'est une dinguerie, frère. Et le pire, c'est qu'il y a des gens, ils me défendent genre dessus. Regardez TikTok. C'est quoi ce clip là? Vous voyez, 20k là? Elle a fait 20k vues, frère. C'est impossible, la Neon Rider là. Y'a un mec, il a dit quoi? Son compte est boosté et tout. Y'a un mec, il dit ouais, regarde ses lives. Tu vois, Didi, il est gentil, regarde ses lives, tu verras qu'il est plus perdant. En vrai de vrai, vous voyez que je perds grave des. Il est à plus de 100k de skin. Y'a des mecs qui disent t'es un malade. Non, il a 100k, lui, il a 12. Ah, c'est des fous, frère. La vie de ma mère, la communauté TikTok, il me bute, gros. C'est des malades, mon temps, frère. J'ai 100k de skin. Mais vous vous rendez compte, s'il y a un contrôleur des impôts? Non, mais c'est sincèrement. Imaginez ce mec, son daron, il est contrôleur des impôts. D'un coup, j'arrive, boum, j'ai le GIGN qui vient, brigade financière. Rends-nous les skins, enculé! Où sont les Dragon Lore? Où sont les skins que tu caches? C'est sûr et certain, un jour, je vais avoir un problème. Donne-nous les skins! C'est sûr. C'est sûr à 100%. Imaginez, frère, c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Donne-nous les skins! Mais je te jure, j'ai vu ça il y a 2-3 jours là sur le clip. C'est une dinguerie, frère. Le mec il argumente et il dit oui, 1 plus 1 égale 2, Malek a 100 000 euros d'inventaire. Alors que mon inventaire est public quand même. Alors c'est vrai, je me mets bien avec les skins. On va pas se mentir, je suis très content. Heureusement, tu vois, genre le deal que j'ai pas d'affiliation, je suis pas payé et tout. Vous savez, genre j'ai une balance, boum, je repars avec les skins. 3, 2, 1, maintenant. Oh, on t'a vu. Mais faut pas abuser. Me suis cogné. Ouais, donc il y a un mec qui l'a mis sur le gars. Bon, pour ceux qui veulent savoir exactement combien j'ai d'inventaire. Don't destroy. I have bomb, don't die, brother. Oh là là. Lâchez. Come with me, 20 seconds. I have the bomb. Donc j'ai 14 000 euros d'inventaire, hein, pour ceux qui veulent savoir. Sachant que je prends des skins, je suis très intelligent dans mes choix des skins. Que je prends des skins qui prennent de la valeur. J'ai peur. Sachant que vous savez très bien que je prends des skins, voilà, qui ont des bonnes cotes, genre ça et tout, que je chope, j'essaie vraiment d'upgrade sur des skins un peu rares, genre ça aussi, et c'est des skins qui prennent de la valeur, genre quasi tous les mois quoi. Sisterbird, comment tu vas mon frère? Tu peux carry plus une game comme ça, genre. C'est possible ou pas? Stance, low HP, low HP. Oh là, je l'aurais enculé leur mère. Frère. Encore full DMHS. Ah gros, je me fais des 400 kills de HS mode avant de jouer, gros, ça paye.
Le deathmatch avant les MM, c'est le cheat code, gros. That's the guy I wanted and last day. Je savais qu'il y avait un petit mec dans une smoke qui pue dans la short, genre. On va faire ça quand même au cas où. C'était. You die, my friend. Si tu donnes la com, on pourra. Flashing for you, Stern, flashing. Down one. Qui a entendu son petit bruit de pas là, à lui là, Miskins qui vient de prendre. La step kitchen, les gars, vous avez entendu un bruit kitchen ou pas? Kitchen ou window? C'était window. C'était window. Il y a des couteaux comme ça qu'il faut garder, carambit, lore, minimalware, les glocks, tous les trucs que tu peux choper en contrat. Mon AK par exemple, ça sert à rien, c'est une AK bleue, ça va jamais prendre de valeur par exemple. Mais il y a plein de skins qui vont prendre de la valeur. Ça va prendre de la valeur, 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 ça prend de la valeur. Ça, j'attends. Ça, je me dis que ce couteau, c'est un couteau sous-côté de ouf. Et que ça peut prendre de la valeur s'il y a un joueur pro qui joue avec. Comme pour le stiletto. Le stiletto, frérot, il y a 8 mois, il coûtait 150 euros, 200 balles. Aujourd'hui, il en vaut 600, frère. Juste parce que Simple, il a joué avec, tu vois. Et Monesi aussi. Et pour moi, le Ursus Knife, c'est un très très beau couteau, très sous-côté. Mais je pense que s'il y a un pro qui joue avec, ça peut prendre de la valeur de ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va prendre de la valeur aussi. Après c'est des petits skins mais ça va prendre de la valeur. Ça prend de la valeur. Ça va prendre de la valeur. Là le bleu aussi. Aucune peine, je te nique ta race. C'était là ce cafard. Ziwu, il a toujours eu des couteaux de merde. Mais là il est en setup Emerald là. Là il y a des gros fans chinois qui lui envoient. Le truc c'est que les chinois ils rigolent zéro, frérot. Hey, ils PV Monesi, ils vont sur leur stream et tout. Ils trouvent leur trade offer et ils leur balancent des bangers de setup à 20 000 euros. Mais vraiment je rigole vraiment pas. Et là Ziwu il a reçu 40 bits Emerald. Donc le gamma Doppler Emerald avec mes gants à moi là, les sport gloves en émeraude aussi là. Ah frère, c'est laisse tomber. Ah oui, c'est vraiment pas des blagues hein. Les chinois frère, c'est des et frérot en fait. Les chinois, c'est des gros gamblers, c'est des gros collectionneurs de skins et tout. Et genre, ils vont sur le truc de Simple, ils vont sur le truc de Monesi, ils leur envoient des Dragon Lore souvenirs gros. Ils sont allés sur le truc de Monesi, ils ont envoyé des Dragon Lore souvenirs gros à 80 000 euros gros, avec des stickers de malade dessus. Ou je crois que c'était une Dragon Lore simple en Factory New avec des stickers de malade genre dessus. Des titans, des High By Power holo et tout, genre des 4 holo et tout frère. Genre la WAP elle vaut 150 000 euros.
les Chinois, ils rigolent zéro avec les skins, vraiment. Et dites-vous que là, ils ont ouvert le marché en Chine. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, les prix des skins vont encore augmenter. Sachez que Perfect World, qui est l'entité qui autorise donc Valve, etc., Steam, c'est le launcher, de CS, ils ont autorisé les skins, les trades. Avant, c'était pas possible et tout, ils l'ont fait depuis quelques temps. Donc, ça y est, c'est légal et ce genre de truc. Et ça va être comme pour nous il y a 4-5 ans en fait. Quand il n'y avait pas les trade bans, qu'on pouvait s'envoyer des skins, on les recevait tout de suite, on pouvait les rééchanger, tout ça. Et là, les Chinois, ils vont. Mais quand je vous le dis, ça va être une dinguerie, les gars. Ça va être une dinguerie, sachez-le. Bah en fait le gouvernement chinois doit tout valider à Kavish. Il y a même des skins qui sont entre guillemets censurés en Chine. Genre je te donne un exemple. C'est un faux exemple. Mais c'est réel. L'exemple tu vas le comprendre tout de suite. Regarde l'USP qui le confirme Ed. Tu vois, il y a une tête de mort, tu vois. Et si, imaginons en Chine, la tête de mort, c'est un symbole qu'ils aiment pas, qui est traditionnellement banni, que ça porte malheur ou quoi que ce soit, eh ben ils vont le refaire, en fait. Le logo, ils vont le refaire. Et donc, le skin, il va avoir une valeur différente là-bas qu'ici. T'as des skins qui ressemblent à quelque chose ici, qui ressemblent à rien du tout en Chine. Ils ont des skins à eux, tu vois. Genre, vraiment, quoi. Tous les bails de squelettes, tous les trucs et tout, un peu comme ça, je sais qu'ils aiment pas trop, genre. Ouais, donc c'est dans toute l'Asie. 1, 2, 3, 4. On va voir si c'est toujours la bonne, je m'en rappelle plus. T'as se moqué que Molson. Non mais c'est pas James Crow en fait, il faut juste la lancer. Je me suis trompé, en fait le repère est bon mais il faut juste la lancer normal. On recommence, je retourne en A mais on recommence. Go away, guys, can we go away please? I have to show something on my stream too, guys. Please go away. Allez, flash out. Ils sont tous allés, je suis choqué. Un, deux, trois, quatre. Juste vous la lancer, je crois. Et voilà. Ah, tu crois que j'oublie mes repères de smoke, moi, frérot? Ouais. Hus. Ah. Whisky. Ah, c'est une smoke à la zub. 3, 2, 1. Hus. 3, 2, 1. Hus. Jure la vie de ta mère, il s'est tué. Il m'a volé mon kill, frère. Il s'est auto-volé mon kill. Me volez pas. Mon 40e kill. Thank you for the game.